Alors, je vais commencer donc par une réflexion assez générale sur ce qu'on appelle la qualité de l'emploi. Donc, c'est quelque chose qui est a priori assez vague, hein, quand on parle de qualité de manière générale. C'est quelque chose qu'il faut effectivement préciser ensuite pour voir un peu mieux de quoi on parle. Donc, dans le domaine de l'emploi, on a eu donc un certain nombre d'auteurs qui ont réfléchi à ces questions dans différentes disciplines. En général, en économie, quand on parle de qualité de l'emploi, on parle de salaire. Un bon emploi, c'est un emploi qui se caractérise d'abord par un bon salaire. Enfin, les économistes ont tendance à résumer la qualité de l'emploi au salaire. Et c'est particulièrement vrai dans les pays anglo-saxons où c'est vraiment le critère de réussite en matière d'emploi. Hein. Si on a un emploi de qualité, on a un salaire élevé. C'est un petit peu moins vrai en Europe où on a aussi tendance quand même à inclure d'autres dimensions. Je vais y revenir. Alors ça, c'est la vision des économistes. Ensuite, on a donc pour les sociologues, on va plutôt s'intéresser, quand on parle de qualité de l'emploi, aux conditions de travail, dans les approches sociologiques plus classiques. Donc, conditions de travail, ça veut dire donc notamment tout ce qui est conditions physiques de travail, donc les difficultés physiques que l'on peut rencontrer en son travail. Par exemple, le fait de porter des charges lourdes, le fait d'avoir des gestes répétitifs, le fait de travailler dans un environnement qui est un environnement chaud ou froid ou enfumé, tout ça va faire partie de ce qu'on va appeler les conditions de travail. On peut aussi y inclure des facteurs qui sont un peu plus liés à l'organisation du travail, comme les horaires, etc. Donc tout ça va faire partie d'une approche un peu large des conditions de travail sur laquelle donc traditionnellement se penchent plutôt les sociologues. Ensuite, pour continuer un petit peu le tour des disciplines en sciences humaines et sociales qui s'intéressent au travail, si on prend les psychologues du travail, eux vont plutôt se concentrer sur des questions autour de la satisfaction au travail. Donc, qu'est-ce qu'on déclare par rapport donc à son rapport au travail? Est-ce qu'on est heureux au travail, satisfait de son travail, de ce qu'on y accomplit, du contenu et du sens de son travail? Donc, encore un petit peu une vision un petit peu différente. Alors, moi, dans les travaux que j'ai conduits avec des collègues, donc dans un cadre, notamment dans un cadre européen et international, nous avons choisi en fait de prendre une approche large, multidimensionnelle, dans laquelle on essaye de prendre en compte finalement un petit peu toutes ces dimensions dont nous parlent à la fois les économistes, les sociologues ou les psychologues ou les ergonomes aussi d'ailleurs qui s'intéressent aux dimensions aussi des conditions de travail. Donc on a cherché à avoir une approche qui soit une approche large. Alors, juste, je vais vous montrer du coup un tableau qui permet de voir un petit peu ce que sont donc les principales dimensions que nous incluons dans ces travaux, et puis je vais y revenir, qui sont aussi reprises du coup à l'échelon international. Donc, on inclut, donc il faut regarder pour l'instant simplement la colonne de gauche, après je vous expliquerai un petit peu ce que l'on retient de celle de droite, mais donc on retient six dimensions principales de la qualité de l'emploi et du travail. Donc une première dimension qui évidemment donc renvoie aux questions de salaire et de rémunération, qui restent et qui sont bien entendu très importantes. On le voit actuellement dans les débats d'ailleurs autour des niveaux de salaire. Il y a beaucoup de débats en ce moment en France, mais aussi dans les autres pays, sur la question des bas salaires, des salaires autour du SMIC, etc., et du fait de savoir s'il faut les augmenter. Donc on est typiquement dans ce genre de débat. On a une deuxième dimension qui est une dimension de conditions d'emploi, qui renvoie plutôt donc à la question des contrats, du type de contrat sur lesquels travaillent les personnes. Est-ce qu'il s'agit de contrats en CDD, en contrat à durée déterminée, en intérim, ou au contraire de contrats stables, sachant que bien sûr les personnes valorisent plutôt les contrats stables, donc c'est plutôt ça qui sera considéré comme étant un bon emploi, de manière générale. Il peut toujours y avoir des exceptions, bien sûr. C'est là aussi qu'on va inclure des dimensions portant sur le type de contrat en termes de temps de travail. Est-ce qu'on parle de temps plein, de temps partiel? Si on parle de temps partiel, est-ce qu'on est sur du temps partiel plutôt long, qui permet donc d'avoir des revenus qui soient suffisants, ou est-ce qu'on est sur du temps partiel court, qui va donner des revenus très limités? Troisième dimension, donc celle des conditions de travail, que j'ai déjà un petit peu évoquée.
donc qui renvoie à l'environnement de travail, à l'intensité du travail, aux accidents, enfin la dangerosité du travail, les risques d'accidents, les risques de maladies professionnelles, etc. Ensuite, on a une quatrième dimension dans ces approches qui est devenue très importante aujourd'hui dans ce que, par exemple, nous disent les jeunes sur leur rapport au travail, qui est la question du temps de travail et en particulier de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ou familiale, hein, quelles qu'en soient les dimensions, que ce soit en termes de loisirs ou en termes simplement de prise en charge des enfants, etc. Donc là, la question, c'est de savoir si le travail permet effectivement de la flexibilité pour faire face à des impondérables en matière familiale ou simplement pour avoir des activités de loisirs à côté. Ensuite, on a une dimension qui porte sur la formation. Donc un bon emploi, c'est un emploi dans lequel on va avoir accès régulièrement à de la formation et dans lequel ces formations vont permettre de progresser dans sa carrière. Donc la progression de carrière et les perspectives de carrière font partie aussi des critères de qualité. Et enfin, dans cette perspective, qui est notamment, donc, comme je l'ai dit, une perspective internationale, je vais y revenir, on inclut aussi la question de la représentation collective des travailleurs et le dialogue social. C'est-à-dire, est-ce que du coup, dans les emplois, on a la possibilité d'être représenté par des syndicats ou par des représentants du personnel de manière plus large ? Et quelle est la qualité du dialogue social qui représente donc, les intérêts des salariés ? Alors en France, bien sûr, tout ça est très encadré, avec un certain nombre de dispositions qui relèvent du droit du travail, mais les choses peuvent être différentes dans un pays ou dans l'autre, et même en France, on a une hétérogénéité, puisque dans une petite entreprise, par exemple, on n'aura pas forcément le même type de représentation et d'institution représentative du personnel que ce qu'on peut avoir dans une grande. Donc voilà pour les six dimensions que donc, nous incluons, donc les économistes et sociologues, etc., qui travaillent sur ces questions, dans la qualité de l'emploi. Bien sûr, ça n'exclut pas qu'il puisse y avoir d'autres choses, hein, mais c'est les dimensions qu'on considère comme étant les dimensions principales. Alors comme je le disais, ça se raccroche à des approches internationales, puisque ce type d'analyse en six dimensions est utilisé aussi au niveau européen. La Commission européenne a développé une approche de la qualité de l'emploi depuis les années 2000, depuis 2002 plus exactement, avec l'idée qu'on a à cet échelon européen, c'est que la qualité de l'emploi, c'est quelque chose qui est favorable à la compétitivité économique et finalement à la croissance, à l'emploi au sens où création d'emplois, etc. Donc il y a cette idée d'un cercle vertueux qui est que si on a des emplois de bonne qualité, on va avoir plus de dynamique dans l'économie, donc plus de croissance, plus d'emplois créés, et puis encore aussi donc, la possibilité éventuellement même d'améliorer encore cette qualité de l'emploi. Donc ça, c'est une approche qui est présente depuis donc, une vingtaine d'années à l'échelon européen, qui n'est pas la seule, hein, donc selon les périodes, elle va être plus ou moins mise en avant, mais dans ce cadre-là, quand on parle de qualité de l'emploi, ça renvoie à ces six dimensions-là. Par ailleurs, l'OCDE, donc l'Organisation de coopération et de développement économique, qui est aussi une organisation internationale, elle aussi donc, promeut une approche en termes de qualité de l'emploi dans ses derniers travaux, donc c'est plus récent, et reprend donc un certain nombre des éléments que vous avez ici. Alors, juste pour vous expliquer à quoi donc renvoie plutôt la colonne de droite. Donc ici, je vous montre un exemple en fait d'un travail que j'ai fait dans le cadre l'année dernière d'une mission pour la ministre du Travail sur les questions donc de qualité de l'emploi et du travail dans les métiers dits de la seconde ligne. Donc vous vous souvenez de la distinction faite par le président de la République pendant le premier confinement entre les travailleurs de la première ligne, donc ceux qui étaient dans le secteur de la santé, plus donc éventuellement les pompiers, la sécurité, enfin la police, etc. Et puis les travailleurs dits de la seconde ligne, donc ceux qui ont continué à travailler en présentiel lorsque les autres, la majorité des gens étaient en télétravail ou bien étaient en chômage partiel. Donc l'an dernier, la ministre du Travail a lancé une mission pour caractériser mieux
les déficits éventuels, et vous allez voir, il y en a beaucoup, je vais vous en parler un petit peu après, de qualité de l'emploi dans ces métiers de la seconde ligne. Et donc, pour mener des analyses ensuite sur différents métiers, la première partie du travail, la première étape, ça a été de définir des indicateurs pour mesurer les différentes dimensions de qualité de l'emploi. Donc, c'est ce que vous avez à droite. Je ne vais pas les lister en détail, mais on a donc utilisé des statistiques dans des enquêtes nationales qui existent pour caractériser donc, les différentes dimensions de la qualité de l'emploi pour tous ces métiers. Donc on a regardé des indicateurs de salaire, on a regardé des parts de contrat à durée déterminée, des taux d'accident du travail, on a regardé la satisfaction au travail, on a regardé des durées de travail. Voilà, tous ces indicateurs-là ont été pris en compte donc par les administrations qui disposent d'enquêtes sur l'emploi et qui peuvent donc effectivement donner un certain nombre d'informations de ce type. Donc vous le verrez, hein, je vais reprendre un petit peu dans la présentation quelques éléments qui sont issus de cette mission pour vous illustrer un peu comment on peut utiliser effectivement ce type d'approche de manière un peu concrète pour analyser effectivement des évolutions d'emploi. Voilà, donc cette première étape donc est maintenant donc, terminée. Hein, donc je vous ai posé ici ce cadre d'analyse de la qualité de l'emploi à partir donc, d'une approche multidimensionnelle que ensuite je vais vous présenter, réutiliser pour caractériser mieux la situation de la France en matière de qualité de l'emploi. Le message général que je vais vous faire passer donc, au travers de cette présentation, c'est donc on est sur le deuxième temps, donc la situation de la France en matière de qualité de l'emploi. Vous allez voir, c'est que le cas français, c'est un cas en fait le cas d'un pays qui se situe plutôt en position moyenne en matière de qualité de l'emploi, donc globalement en position moyenne. Et puis on va le voir avec justement des différences, une hétérogénéité qui peut être très importante entre les métiers. Alors ici, ce que vous voyez sur ce graphique, donc ce sont des indicateurs de qualité de l'emploi qui ont été construits. C'est des indicateurs synthétiques, c'est-à-dire qu'ils reprennent tout un ensemble d'indicateurs, ils résument tout un ensemble d'indicateurs. Donc en fait, chaque barre représente le niveau de qualité de l'emploi dans les pays. Pour 3 années, la première année, donc, c'est 2005, la deuxième, 2010, et la troisième, 2015, puisque donc, on dispose d'un certain nombre d'enquêtes tous les 5 ans. Donc cette analyse est faite tous les 5 ans. Donc il y a deux manières de regarder ce graphique. Il y a deux questions qu'on peut se poser. Il y a la situation des pays les uns par rapport aux autres. Et puis ensuite, il y a aussi les évolutions au cours du temps. Est-ce que la qualité de l'emploi, telle qu'elle est mesurée là, c'est plutôt améliorée ou c'est plutôt dégradée dans l'ensemble et puis pour les différents pays? Alors pour commencer par simplement la question du niveau, comment se situent les pays les uns par rapport aux autres en matière de qualité de l'emploi. Donc vous voyez que les pays qui ont la meilleure situation en matière de qualité de l'emploi, ceux qui sont à droite du graphique, sont de manière homogène hein, les pays du Nord. On a la Suède, on a un triplé dans les pays de tête, la Suède, la Finlande, le Danemark. Donc qui sont des pays caractérisés donc, par des niveaux de qualité de l'emploi sur toutes les dimensions quasiment, hein, qui sont supérieurs aux autres pays européens. Alors, il faut savoir que les pays nordiques ont depuis longtemps effectivement mis en place des stratégies économiques qui insistent vraiment sur la dimension de qualité des emplois. Bien sûr, ils ont aussi quand même des contrats à durée déterminée, on a quand même aussi de l'intérim, on va trouver de l'emploi à temps partiel, etc. Mais les choses sont organisées d'une manière qui, globalement, porte davantage attention à la qualité de l'emploi perçu par les travailleurs. Donc on fait plus attention aux conditions de travail, on fait plus attention aux carrières, on fait aussi très attention aux questions de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle dans ces pays nordiques. Donc c'est logique qu'on les retrouve effectivement en bonne position. Ensuite, on a un ensemble plus hétérogène de pays plutôt du continent européen, donc la Belgique, l'Autriche, bon, Malte, puisque donc là on a tous les pays donc de l'Union européenne, la France, les Pays-Bas, le Luxembourg.
Et puis, donc, on en arrive à la moyenne, enfin, on a les deux moyennes européennes, moyenne de l'Europe à 15, EU15, et puis moyenne de l'Europe à 28, le EU28. Donc, on voyait la France se situe dans une position qui est un petit peu au-dessus de la moyenne, donc qui est plutôt pas mauvaise, en fait, hein, si on reprend cet indicateur-là, puisqu'elle est donc juste en dessous des pays nordiques. Et par contre, elle se situe mieux que l'Allemagne, par exemple. Hein, vous voyez, l'Allemagne est juste en dessous de la Slovénie, donc à peu près au milieu du graphique, en dessous de l'Europe à 28. Alors pourquoi, par exemple, pourquoi est-ce que ici l'Allemagne se situe moins bien que la France? En fait, ça renvoie d'abord au fait que l'Allemagne a développé beaucoup d'emplois qui sont des emplois à temps partiel très court, ce qu'on a appelé en Allemagne les mini-jobs, donc les mini-emplois, qui se sont donc fortement développés dans les années 2000 et qui donc sont des emplois plutôt de mauvaise qualité, puisque donc temps partiel très court, revenus très faibles, des droits sociaux qui sont associés à ces emplois qui sont aussi limités. Donc ça joue pas mal sur la position allemande dans ce graphique. En France, on a moins ce type d'emploi, même si on a aussi connu, j'y reviendrai, des développements du temps partiel, des contrats à durée déterminée, etc. Voilà, alors pour poursuivre un petit peu la lecture du graphique, vous voyez que donc les pays qui se situent dans les plus mauvaises positions sont plutôt des pays de l'Est de l'Europe. Alors c'est relativement logique dans la mesure où ce sont des pays qui ont donc un niveau de richesse par habitant qui est quand même plus faible hein, que celui des pays de l'ancienne Europe à 15. Et qui n'ont donc pas nécessairement autant de moyens à consacrer, un certain nombre de mesures qui vont effectivement être susceptibles d'améliorer la qualité des emplois. Donc on n'est pas sur un résultat surprenant du tout ici, il est assez logique de trouver tout cet ensemble de pays d'Europe centrale et orientale, plutôt à gauche du graphique. On voyait, il y a aussi la Grèce, mais même chose, la Grèce est dans une situation globalement difficile, en matière économique, et c'est quelque chose qui joue bien sûr fortement sur les marges de manœuvre dont on dispose pour faire des politiques de soutien en matière de qualité de l'emploi. Voilà. Donc, première chose, donc effectivement, la France, plutôt en bonne position, au-dessus de la moyenne. Ensuite, en termes d'évolution, quand on regarde, donc, alors c'est des toutes petites variations, puisque comme ce sont des indices synthétiques, ils bougent peu. Mais on voit donc qu'il y a des évolutions entre 2005 et 2015. Ces évolutions, si je regarde la moyenne européenne, la moyenne de l'Europe à 15, c'est assez stable. Il y a peu de variations. Petite baisse en 2010 et de nouveau, on revient à peu près au même niveau qu'au départ en 2015. C'est la même chose pour l'Europe à 28. On est sur quelque chose d'assez stable. La France, de la même manière, la France suit un petit peu là aussi la moyenne, puisqu'elle est, il y a une baisse en 2010 qui est suivie d'une amélioration en 2015. Alors, c'est logique là aussi. Pourquoi ? Parce que 2007-2008, comme vous le savez, c'est la période de la crise financière. Donc, c'est une récession pendant laquelle donc, on a eu un certain nombre de destructions d'emplois et puis pendant laquelle aussi on a eu des politiques qui ont parfois conduit à diminuer effectivement la qualité des emplois. Donc il est assez logique qu'on ait cette tendance à la baisse entre 2005 et 2010 et un retour à une situation plus proche proche de la situation de 2005 en 2015. Voilà, donc si je fais le bilan, la France plutôt dans la moyenne haute, hein, plutôt vers le haut quand même du graphique, selon ce graphique, mais pas non plus dans les meilleurs pays en matière de qualité de l'emploi. Alors ça, c'est une approche donc fondée sur un travail qui a été fait donc par un organisme qui s'appelle ETUI, qui est donc un organisme de recherche sur le travail et l'emploi à l'échelon européen qui se situe à Bruxelles. Vous pouvez retrouver le document de travail si vous le souhaitez. Alors, je vais vous montrer maintenant donc un autre résultat concernant donc la qualité de l'emploi toujours dans une perspective européenne. Donc nous avons donc là il s'agit de
de comparaison, toujours en matière de qualité de l'emploi, avec des indicateurs. Là, on n'a pas un indicateur synthétique, mais on regarde plusieurs indicateurs. Et donc, on positionne les pays les uns par rapport aux autres. Ce que vous voyez, alors je vous l'ai indiqué sur le PowerPoint parce que vous pouvez donc aller sur l'adresse qui est indiquée ici et vous avez quelque chose d'interactif qui vous permet de détailler un petit peu, de regarder de manière plus détaillée les choses. Si vous cliquez sur un pays, vous allez avoir ensuite des détails sur ses performances en matière d'emploi, en matière de conditions de travail, en matière de rémunération, etc. Donc vous allez trouver plus d'informations, des informations complémentaires. Donc ici, dans cette approche qui reprend bien les six dimensions que je vous ai mentionnées tout à l'heure dans l'introduction, on retrouve donc des pays nordiques qui sont toujours en très bonne position, qui sont donc en bleu foncé, et ce qui renvoie donc au fait qu'ils ont donc une qualité de l'emploi qui est élevée. Ici, le Danemark et la Suède. Et puis, on a ensuite des résultats, par contre, un tout petit peu différents en ce qui concerne donc, les pays en position moyenne. C'est-à-dire que donc, on va trouver la France dans un groupe qui est un groupe là, dans la moyenne inférieure, en bleu un peu plus clair, comme vous voyez, avec les pays du Sud. Nous, dans ces résultats-là, on n'obtient pas exactement la même chose que précédemment, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la France au-dessus de la moyenne européenne et plutôt donc, dans des pays qui sont des pays relativement favorisés en matière de qualité de l'emploi, mais moins que les pays nordiques, on va avoir la France qui est plutôt proche des pays du Sud, bien sûr en meilleure position que les pays de l'Est de l'Europe qui sont en très clair là ici sur le graphique, mais malgré tout avec l'Espagne, le Portugal, l'Italie dans le même groupe hein, que ces pays-là. Alors, pourquoi on a ce résultat? Donc, c'est parce que nous, on prend en compte plus de variables que le schéma précédent et que donc on prend mieux en compte un certain nombre de faiblesses du cas français en matière de qualité de l'emploi. Donc, les faiblesses principales, hein, si je dois les résumer, les faiblesses principales de la France en matière de qualité des emplois, c'est que donc on a un certain nombre donc enfin dans les difficultés qu'on a, on a des difficultés en matière d'intensité du travail pour un certain nombre de métiers. Donc l'intensité du travail, hein, c'est le fait de devoir se dépêcher, d'avoir des rythmes qui sont des rythmes de travail difficiles à tenir, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on va trouver en France à la fois dans des métiers qui sont des métiers peu qualifiés, donc de type donc métier d'ouvrier, etc. Mais qu'on trouve aussi dans des métiers qualifiés. Donc les cadres, par exemple, souvent se plaignent de leur rythme de travail et de l'intensité du travail qu'ils doivent fournir. Ça renvoie au fait qu'en France, on est dans un modèle hein, quand même assez intensif d'organisation du travail. On va demander aux gens d'avoir des niveaux de productivité qui sont des niveaux de productivité élevés dans un assez grand nombre de métiers. Et nous avons d'ailleurs un niveau de productivité du travail élevé en France, hein, ce qui renvoie aussi à cette logique-là. Donc ça, c'est un des problèmes que nous avons de manière transversale. Ensuite, dans les difficultés que l'on repère aussi dans le cas français, nous avons beaucoup de contrats à durée déterminée. C'est quelque chose qui s'est développé en France. Beaucoup de contrats à durée déterminée involontaires qui ne sont pas choisis donc, par les personnes en question. Et beaucoup aussi de temps partiel involontaire, donc de personnes qui se retrouvent sur des emplois à temps partiel alors que ça ne correspond pas à leur préférence, alors qu'ils préféreraient être à temps plein. Ça, c'est aussi une faiblesse du cas français. Donc du coup, on est dans l'ensemble hein, sur des performances qui sont plutôt moyennes-basses si l'on prend en compte l'ensemble de ces indicateurs. De la même manière, sur la formation, par exemple, sur la formation professionnelle, en France, on a des politiques de formation hein, que vous connaissez tous, je pense. Le compte personnel de formation en est l'exemple. Donc il existe toute une série de politiques. Mais ces politiques conduisent assez peu souvent à des certifications ou des diplômes qui ensuite vont vraiment avoir des effets sur les carrières. Donc on est sur une approche de la formation qui, finalement, en termes d'impact
sur la carrière va avoir un impact souvent relativement limité, donc, contrairement par exemple aux pays nordiques. Voilà, donc ce type d'outil hein, de comparaison permet de souligner des points de faiblesse. Ça n'est évidemment pas quelque chose qui est infaillible. Hein. On a toujours, comme vous venez de le voir, selon les indicateurs que l'on inclut, on va avoir une vision un petit peu différente de la réalité. Donc l'idée, ça n'est pas de dire qu'on est définitivement classé dans tel ou tel groupe ou que la position française est particulièrement mauvaise. L'idée, c'est plutôt simplement de pointer des faiblesses qui peuvent faire des objectifs d'amélioration pour différents acteurs qui sont à la fois les politiques de l'emploi, dont je vais reparler après, mais aussi les entreprises, donc tout ce qui est en termes de pratiques et de politiques de ressources humaines, qui ont une incidence sur ces dimensions de qualité de l'emploi. Et les praticiens des RH le savent d'ailleurs lorsqu'on en parle avec eux, mais bien sûr doivent aussi tenir compte d'un certain nombre de contraintes. Alors la première chose, donc, c'est ça, c'est la France est en position, du coup on va dire moyenne, puisque selon les approches on va avoir plutôt légèrement au-dessus de la moyenne, plutôt dans une moyenne basse. La France est en position moyenne et donc l'autre résultat très important que l'on obtient lorsque l'on regarde la qualité de l'emploi, c'est que la qualité de l'emploi est hétérogène. Alors, avant de commenter ce tableau, je voudrais dire qu'elle est donc hétérogène par métier, c'est ce qu'on va regarder ici, mais elle est aussi hétérogène par secteur, hein, c'est-à-dire par exemple on a des secteurs d'activité qui sont des secteurs d'activité avec plutôt une bonne qualité de l'emploi et d'autres avec une qualité de l'emploi plus modeste, je vais en reparler. Alors ici, le tableau que je vous présente est issu des travaux donc justement sur la deuxième ligne, donc et d'une publication que vous pouvez retrouver, vous avez le lien si vous voulez aller regarder un petit peu plus d'autres éléments dans cette publication. Donc là, vous avez dans ce tableau un certain nombre d'indicateurs de qualité de l'emploi appartenant à différentes dimensions, je vais y revenir, de la qualité de l'emploi. Et donc, ce qu'on fait dans ce tableau, c'est qu'on compare les indicateurs pour différents métiers, des familles de métiers en fait, à l'ensemble des salariés du privé. Donc en bas, hein, la ligne du bas vous donne la moyenne pour chacun des indicateurs pour l'ensemble des salariés du privé. Donc, si je prends par exemple donc, la première dimension, qui est le salaire mensuel en équivalent temps plein, EQTP, ça signifie équivalent temps plein, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, ce qu'on voit, c'est que donc, la moyenne des salariés du privé, c'est 2337 euros. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui travaille à temps plein gagne en moyenne en France 2337 euros. Et vous voyez donc que les métiers de la seconde ligne qui sont ici, donc tous ceux qui ont effectivement continué leur activité pendant les périodes de confinement, etc., qui sont donc des métiers dits essentiels, c'est-à-dire c'est des métiers qui contribuent fortement à la continuité de la vie économique et sociale, qui sont des métiers vraiment importants donc, dans la vie, dans notre vie de tous les jours, ben, globalement sont des métiers plutôt mal payés. Donc pour l'ensemble de tous les métiers de la seconde ligne, on a une moyenne de 1634 euros. Mais vous voyez qu'il y a des métiers qui sont bien en dessous. Donc particulièrement, donc, si je reprends à partir du bas du tableau, les aides à domicile et les aides ménagères, qui sont à 1286. Attention, c'est de l'équivalent temps plein. C'est-à-dire que malgré tout, parmi ces personnes, vous allez en avoir beaucoup qui gagnent en fait moins parce qu'elles ne travaillent pas à temps plein. Donc si elles travaillaient à temps plein, elles gagneraient 1286 euros, mais malheureusement, beaucoup d'entre elles ne travaillent pas à temps plein. Ensuite, vous pouvez repérer encore d'autres métiers mal rémunérés, hein, les caissiers, employés de libre-service. Donc si on remonte, on va trouver aussi ensuite les métiers agricoles, maraîchers, jardiniers, viticulteurs, les agriculteurs, c'est plutôt... Donc on parle des salariés ici, hein, pas des indépendants. Sont plutôt aussi dans de faibles niveaux de rémunération, les vendeurs en produits alimentaires, voilà, les agents d'entretien. Donc tout ça, c'est des métiers qui sont des métiers avec donc des déficits en matière de qualité de l'emploi, centrés, enfin, avec un gros déficit sur la question de la rémunération et du salaire. Alors, on le voit aussi dans l'indicateur suivant, qui vous donne, donc, dans chacun de ces métiers, la part des personnes qui sont
qui touche ce qu'on appelle un bas salaire. Donc, qu'est-ce que c'est un bas salaire? C'est un salaire qui est inférieur aux deux tiers du salaire médian. Donc, le salaire médian, c'est celui... un salaire médian, c'est, il y a 50% des gens qui sont en dessous, 50% des gens qui sont au-dessus. Et donc, du coup, on voit que donc c'est les gens mal payés, entre guillemets. Hein, donc, on voit que dans l'ensemble de l'économie, dans l'ensemble du secteur privé, ils sont à peu près 12%. Et vous voyez qu'ils sont beaucoup plus dans certains métiers, donc 43% par exemple pour les aides à domicile et les aides ménagères, mais aussi, et c'est déjà élevé, 27% dans l'agriculture, 27% pour les vendeurs en produits alimentaires, 27% aussi pour les agents d'entretien. Voilà, donc dans ces métiers, vous avez clairement des déficits en matière de rémunération que l'on repère très, très rapidement. Alors, l'intérêt de cette approche de multidimensionnelle, c'est de regarder aussi d'autres choses. C'est-à-dire, ce qu'on a voulu faire, c'était vraiment d'avoir une vision large et de ne pas se limiter aux questions de salaire. Donc, il y a la question salariale, mais il y a aussi d'autres aspects. Et par exemple, donc ici, vous voyez qu'on a aussi des soucis d'accident du travail. Donc ça, c'est la part des salariés qui déclarent donc effectivement un accident du travail. Donc on n'est pas, ces parts sont élevées comme vous le voyez sur les agriculteurs, à nouveau, mais aussi sur certains métiers du bâtiment, hein, donc les ouvriers qualifiés, les ouvriers non qualifiés. Donc tout ça c'est des métiers. Le bâtiment est un secteur qui est particulièrement accidentogène de manière générale, et donc on le voit ici. Les conditions physiques, alors je continue hein, sans entrer dans les détails, mais pour illustrer toujours cette idée d'hétérogénéité, on le voit aussi sur les contraintes physiques. Donc ça, c'est la part des salariés qui déclarent une contrainte physique dans leur travail. Donc la contrainte physique, ça va être le fait de rester debout pendant longtemps, le fait de porter des charges lourdes, etc. Donc vous avez toute une liste de contraintes physiques. Donc ici, c'est la part des personnes qui répondent qu'ils ont effectivement des contraintes physiques dans leur travail. Et là, vous voyez que quasiment tous les métiers sont au-dessus de la moyenne. Donc 36% des salariés du privé ont une contrainte physique au moins. Et dans les métiers de la seconde ligne, par exemple, dans le bâtiment, c'est toujours au-dessus de 80%. Et donc on retrouve la même chose dans beaucoup de métiers, y compris par exemple les bouchers, charcutiers, boulangers, qui ont aussi beaucoup de contraintes physiques. Voilà, station debout, typiquement. Voilà. Les aides à domicile à nouveau. Ce qui signifie que certains métiers en fait cumulent plusieurs facteurs de difficulté. Hein. Ils vont avoir à la fois plutôt des bas salaires, mais aussi des contraintes physiques et des risques d'accident plus élevés. Alors, pour terminer ce tableau, quand on regarde les indicateurs, je reviendrai après sur la satisfaction. Si je regarde donc le temps partiel, les indicateurs de temps de travail qui sont à la fin, donc vous avez la part des temps partiels. Donc cette part de temps partiel, elle est, comme vous le voyez, très hétérogène au sein de ces métiers. Donc elle peut être très élevée, comme pour les caissières, par exemple, pour lesquelles on est à 40%, ou l'aide à domicile à 77%. Mais elle est aussi faible dans d'autres métiers, la manutention ou le second œuvre du bâtiment. Donc on a une hétérogénéité là qui est importante, mais les métiers de service, ce sont surtout les métiers de service qui sont caractérisés par beaucoup de temps partiel. Et alors ensuite, le dernier indicateur renvoie à la question de la prévisibilité ou l'imprévisibilité des horaires. Donc ici, il s'agit de la part des gens qui ont des horaires imprévisibles d'une semaine sur l'autre, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas leurs horaires de travail d'une semaine sur l'autre. Et là aussi, vous voyez qu'il y a beaucoup de métiers où cette proportion est élevée. De nouveau, les bouchers, charcutiers, boulangers, les caissières, les conducteurs de véhicules, donc ça c'est dans le secteur des transports. Enfin voilà, vous avez du coup une déproportion importante, également dans le bâtiment, à certains métiers. Donc vous avez des proportions importantes de gens qui ont des horaires largement imprévisibles, et ça c'est quelque chose qui pose problème, puisque ce qu'on sait c'est que ce qui est perçu comme le plus pénible n'est pas forcément de travailler le soir ou de travailler le week-end, c'est de ne pas du tout le savoir à l'avance. Ce que les gens ont du mal à accepter et à vivre au quotidien, c'est plutôt l'imprévisibilité. Ce n'est pas forcément le fait d'avoir des horaires atypiques. Donc typiquement, même dans le secteur de la santé, par exemple, c'est bien connu que ce qui est très difficile dans les emplois de la santé, c'est lorsque les plannings ne sont pas connus longtemps à l'avance.
S'ils sont connus longtemps à l'avance, qu'il y a des possibilités d'aménagement en cas de difficulté, etc., les gens vont beaucoup mieux supporter. Mais lorsqu'ils connaissent leur planning la semaine d'avant, là, c'est vraiment difficile. Voilà, donc vous voyez que du coup, ce qui frappe ici, c'est que donc on a effectivement des métiers qui cumulent plusieurs facteurs négatifs en matière de qualité de l'emploi. Donc, par exemple, hein, typiquement, si je prends les aides à domicile, on a tous les critères sont mauvais. C'est-à-dire qu'on a de faibles salaires, on a beaucoup de temps partiel, on a aussi une forme d'imprévisibilité, même si elle est moins élevée que dans d'autres activités. Voilà, donc dans l'ensemble, on est sur des métiers qui sont des métiers caractérisés par un cumul de pénibilité et de difficultés. On va le retrouver pour d'autres, hein, donc les métiers les plus concernés, c'est effectivement tous les métiers de service, donc agents d'entretien, agents de sécurité, c'est aussi des métiers difficiles, l'aide à domicile, donc les vendeurs de produits alimentaires, les caissiers, employés de service, etc. Les ouvriers agricoles, donc c'est pas non plus, sont plutôt dans une mauvaise situation d'ensemble. Ensuite, c'est plus hétérogène dans l'industrie. Dans l'industrie, vous allez avoir des critères qui sont plutôt corrects et puis d'autres qui vont être plus difficiles. Ou dans le bâtiment, où les niveaux de rémunération, par exemple, sont un peu plus élevés. Mais vous avez cette question des accidents, de la dangerosité, de la pénibilité physique. Voilà, donc en termes de salaire, il vaut mieux travailler dans le bâtiment que travailler dans les services à domicile, par exemple, mais vous allez avoir d'autres risques liés au travail. Donc voilà, l'idée ici, c'était de faire ce repérage et de voir que, et ce que ça donne à voir, donc c'est l'hétérogénéité de la qualité de l'emploi. Sachant que là, on est sur les métiers de la deuxième ligne, mais si j'élargis, comme je le disais tout à l'heure, en parlant un petit peu aussi de l'intensité du travail, même pour les cadres, vous pouvez avoir des difficultés, y compris dans des catégories favorisées. Hein, c'est-à-dire que même dans des catégories diplômées, avec des salaires élevés, on va pouvoir repérer certains facteurs de difficulté. Et typiquement, pour les cadres, c'est plutôt les questions d'intensité du travail qui vont poser problème, avec leurs conséquences sur la conciliation aussi avec la vie familiale. Donc on va retrouver des difficultés qui sont bien sûr moindres que ce qu'on a sur ces métiers-là, mais qui ne sont pas non plus à négliger en termes de politique de ressources humaines et autres, et qui donc sont intéressantes à regarder et à prendre en compte. Juste pour faire un petit peu le lien là aussi avec la période de crise, on sait que donc ici on est sur les métiers qui sont restés en présentiel, donc qui ont donc un certain nombre de caractéristiques et un certain nombre de difficultés. Mais on sait par ailleurs que parmi les gens qui se sont retrouvés en télétravail, ceux qui l'ont le plus mal vécu sont les cadres et tous ceux qui avaient des fonctions d'encadrement de manière générale, puisque du coup ils ont subi une forte pression au travail, à la fois en termes d'attente de résultats éventuels et puis d'encadrement, c'est-à-dire le fait aussi d'avoir des contraintes quand même de résultats, mais en étant en position du coup d'avoir des gens sous ses ordres, ce qui, à distance, est compliqué et rajoutait du coup aussi du stress dans un contexte par ailleurs difficile pour tout le monde. Donc, quand on regarde les indicateurs sur le télétravail, les plus malheureux en télétravail pendant la période de crise Covid ont été les cadres et notamment les femmes cadres qui ont déclaré beaucoup de difficultés et ça renvoie aussi à la question de la conciliation et du fait d'avoir eu à gérer en même temps donc, des questions de travail des enfants à la maison, etc. Alors un dernier mot sur ce tableau, sur la satisfaction au travail, donc la colonne sur la satisfaction au travail. Je l'ai mise ici, même si donc, elle donne un message un petit peu différent. En fait, ce que montre donc cet indicateur, c'est que finalement, vous avez quand même pas mal de métiers dans ces métiers de la seconde ligne où le niveau de satisfaction au travail est à peu près dans la moyenne, voire un peu plus élevé. Et puis bon, d'autres où c'est pas le cas, mais par exemple si je prends les conducteurs de véhicules, donc c'est les chauffeurs ça peut être de différents types de transports, que ce soit transport de personnes ou transport de marchandises, c'était plutôt de marchandises pendant les périodes de crise, par exemple sont un petit peu au-dessus de la moyenne. De la même manière dans le bâtiment, vous avez une catégorie qui est au-dessus de la moyenne. Dans l'agriculture, ils ont plutôt des niveaux de satisfaction qui sont aussi au-dessus de la moyenne. Donc ça signifie que malgré ces conditions qui ne sont pas faciles, dans certains métiers, vous avez des gens qui sont quand même satisfaits de leur travail.
Et de la même manière, alors l'indicateur ne figure pas là sur le tableau, mais quand on pose aux gens la question de savoir si leur métier est utile socialement, est-ce qu'ils font un métier utile pour la société, eh bien là, vous allez avoir encore plus du coup de réponses positives dans les métiers qui figurent ici, par exemple les aides à domicile, qui sont quand même globalement peu satisfaits de leur travail, ce qui renvoie au problème donc, de salaire, d'horaire, etc. qu'on a évoqué. Par contre, déclarent qu'ils ont une activité qui est une activité socialement utile. Voilà, donc on voit que les enseignements de ce type d'approche par la qualité de l'emploi, ça va être donc à la fois de pointer des difficultés françaises, hein, donc je l'ai dit un petit peu, à l'international, on voit que la France se singularise par certains types de problèmes, notamment sur le fait qu'on a beaucoup de contrats courts, le fait qu'on a du temps partiel involontaire, le fait qu'on a une intensité du travail parfois trop élevée, mais aussi donc de permettre au sein de l'emploi en France de voir des métiers ou des secteurs sur lesquels on a des progrès à faire. Et donc dans l'ensemble, le point central, c'est peut-être de souligner qu'on a longtemps sous-estimé les difficultés rencontrées dans des emplois de service. Hein, c'est-à-dire qu'on est, on est aujourd'hui dans une société dans laquelle l'emploi qui s'accroît le plus, c'est l'emploi du secteur tertiaire, c'est l'emploi de service. Donc tous les types de services, y compris donc justement ces services à la personne, comme l'aide à domicile, etc. Or, ces emplois sont loin d'être des emplois faciles, même quand on les compare à des emplois industriels. Dans l'industrie, vous pouvez avoir des difficultés, mais aujourd'hui, les conditions de travail sont quand même dans l'ensemble moins pénibles qu'elles ne l'ont été il y a quelques dizaines d'années, voire quelques années dans certains secteurs. Et vous avez des niveaux de salaire plus élevés, des horaires plus prévisibles, etc. Donc là où on va repérer vraiment une agrégation de difficultés, c'est plutôt dans les services. Je vais en arriver du coup au troisième temps de ma présentation. Et donc bon, pour l'instant, je vais pas utiliser tout de suite le tableau que vous avez ici sur la diapo. Donc, le troisième temps de ma présentation, il vise justement à relier ces évolutions que l'on constate en France, les difficultés que l'on peut constater en France avec les politiques de l'emploi françaises. Donc c'est des éléments de réflexion basés sur un certain nombre de résultats qu'on a pu obtenir, qu'on peut obtenir des collègues aussi, sur donc les effets des politiques de l'emploi. Alors, peut-être un premier élément de réflexion sur qu'est-ce qu'on appelle les politiques de l'emploi, en fait, hein, d'abord. Donc, ce qu'on appelle les politiques de l'emploi, c'est donc toutes les politiques qui visent à augmenter le niveau d'emploi dans l'économie, à baisser le chômage. Donc, vous savez bien qu'en France, il se situe à un niveau qui est élevé et élevé depuis longtemps, même si là, on est dans une phase de baisse. Donc, on a toujours cherché depuis, les années 70 à faire baisser le chômage. Les premiers plans visant à faire baisser le chômage datent de la fin des années 70, donc 1977-78, donc c'est pas nouveau. C'était des politiques plutôt ciblées sur les jeunes au départ, les pactes pour l'emploi des jeunes, ces premières politiques. Et puis ensuite, vous avez eu toute une série de politiques qui ont été lancées par les gouvernements successifs, qui portent des noms différents. On retrouve différents types de contrats, un peu soit ciblés sur les jeunes, soit ciblés sur les chômeurs de longue durée, les bénéficiaires du RSA, etc. Donc c'est les politiques de l'emploi, c'est cet ensemble de mesures qui se sont succédées et qui ont évolué au cours du temps, mais avec toujours un objectif, qui est un objectif donc de créer des emplois, baisser le chômage, faire passer les gens du chômage vers l'emploi, soutenir le fait que les chômeurs reprennent un emploi, etc. Alors, en quoi ces politiques ont-elles pu influencer la qualité de l'emploi ? Alors, la première chose à dire, c'est que, en général, les politiques de l'emploi n'ont pas pour objectif la qualité de l'emploi. C'est ce que je viens de dire. Hein. En général, elles ont plutôt pour objectif de créer des emplois. Donc créer des emplois, ça peut vouloir dire créer des emplois de n'importe quel type, en fait, c'est-à-dire créer des emplois qui sont des emplois éventuellement même de qualité modeste. Donc on a finalement, au travers des politiques d'emploi, on a favorisé l'émergence, par exemple, du contrat à durée déterminée. Le contrat à durée déterminée, il existe en France, enfin, il s'est développé en France depuis les années 80,
Et son développement a largement été accompagné par les politiques de l'emploi, parce que tous les contrats dont je vous parle, là, les contrats spécifiques pour les jeunes, les contrats pour les chômeurs de longue durée, etc., étaient et sont encore des contrats à durée déterminée. Donc les politiques d'emploi ont finalement favorisé l'apparition, le développement, la diffusion d'une norme d'emploi dans laquelle on a des emplois qui sont des emplois à durée déterminée. Par ailleurs, du point de vue juridique, il y a toute une série de dispositions qui ont été prises au fil du temps pour faciliter le recours à l'emploi à durée déterminée, parce qu'on pense, l'idée qu'il y a derrière, c'est que les entreprises ont besoin pour recruter de savoir que le fonds ne s'engage pas pour trop longtemps, parce qu'elles ont une incertitude sur leurs débouchés éventuels, etc. Donc l'idée, c'est qu'on a besoin d'emplois qui sont des emplois temporaires pour que les entreprises, effectivement, se lancent dans l'aventure. Sinon, elles ne veulent pas recruter. Donc du coup, on facilite le développement de ces emplois qui sont des emplois à durée déterminée. En soi, ce n'est pas illogique. La question, c'est ensuite de savoir dans quelle mesure ça a des impacts sur les trajectoires des personnes. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'être sur un emploi temporaire, un CDD, n'est pas en soi problématique si ça ne dure pas trop longtemps. La difficulté, c'est que, au fil du temps, ce qu'on a vu, c'est apparaître de plus en plus de trajectoires de gens qui restent dans des emplois à durée déterminée. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus problématique au fil du temps et des carrières, bien sûr. Alors, je vous montre ici simplement un exemple d'impact de politique de l'emploi. Donc, il s'agit ici de mesures récentes, c'est donc des mesures, contrat unique d'insertion, contrat d'accompagnement vers l'emploi, le CUI-CAE, donc une mesure récente, qui a été évaluée donc, en 2019, donc on est juste avant la crise Covid. Et ici, donc, ce que l'on voit sur ce tableau, c'est l'effet des politiques, ce sont les taux d'insertion dans l'emploi, d'un certain nombre du groupe des bénéficiaires, donc ceux qui ont bénéficié du dispositif, du CUI-CAE, et puis de leurs jumeaux statistiques, c'est-à-dire de gens qui sont proches mais qui n'en ont pas bénéficié. On essaye de comparer des gens comparables. Donc on compare les bénéficiaires à ce qu'ils appellent ici dans le tableau des faux jumeaux. Donc des gens qui leur sont très proches pour toutes les caractéristiques que l'on connaît, que l'on peut observer, mais qui n'ont pas participé au programme CUI-CAE. Et donc vous voyez que la première colonne nous dit que les bénéficiaires du CUI-CAE sont à 65% en emploi, et les faux jumeaux à 62%, donc on a un impact de 3 points de pourcentage, c'est-à-dire que donc l'impact est positif, il n'est pas très élevé, mais il est positif. On peut dire que le CUI-CAE augmente l'accès à l'emploi, augmente faiblement l'accès à l'emploi de ses bénéficiaires, une période de 3 ans. On regarde les choses 3 ans après l'entrée dans le dispositif. Donc 3 ans après l'entrée dans le dispositif, 65% des bénéficiaires sont en emploi. Et donc, comme l'indique la note de lecture, pour ceux qui ne sont pas passés par le dispositif, ce taux d'insertion dans l'emploi n'est que de 62%. Alors, ça, c'est le premier résultat. Donc, ça veut dire que cette politique de l'emploi augmente l'accès à l'emploi. Donc, c'est son objectif. Donc, de ce point de vue-là, on peut considérer que c'est une réussite. Après, vous voyez, si vous regardez ce qui suit, qu'on peut nuancer un petit peu ce bilan positif. Pourquoi ? Parce que ce qu'on voit, c'est que ça ne favorise pas l'accès à n'importe quel emploi, ça va favoriser l'accès surtout donc, au CDD. Donc si vous regardez effectivement les lignes suivantes, parmi les gens qui sont en emploi non aidé, donc qui ne sont pas dans une autre politique de l'emploi, vous allez avoir, il y a 25% des bénéficiaires du CUI-CAE qui sont en CDI et 32% des non-bénéficiaires. Donc là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a un impact négatif. Le fait d'avoir participé à ce programme réduit l'accès au CDI. Et par contre, ça augmente le taux d'emploi en CDD, puisque donc vous allez avoir 31% de bénéficiaires qui sont en CDD contre 16
de parmi les faux jumeaux, parmi ceux qui ne sont pas rentrés dans le dispositif. Donc sur les autres types de contrats, les effectifs sont beaucoup plus faibles, donc je ne vais pas commenter, il n'y a pas d'effet totalement, enfin il n'y a rien qui soit totalement interprétable. Par contre, sur cet effet CDD-CDI, l'effet est très fort, c'est-à-dire qu'on voit bien que cette mesure en particulier, qui est une mesure donc, d'accompagnement dans le secteur non marchand, le CUI-CAE, c'est de l'emploi associatif, de l'emploi dans le secteur public. On voit que donc, ce type de mesure de politique de l'emploi a un impact positif sur l'emploi, mais c'est pas n'importe quel emploi, et ça favorise plutôt donc, l'emploi en CDD et pas l'emploi en CDI. Alors on peut se dire que c'est l'objectif, hein, que peu importe, encore une fois, comme je le disais, les politiques de l'emploi, leur objectif premier, c'est créer des emplois. Donc là, en l'occurrence, enfin, c'est accompagner en tout cas les gens vers l'emploi. En l'occurrence, c'est plutôt une réussite, même si ce n'est pas spectaculaire. Mais voilà, il y a ce bémol du type d'emploi. Et je pense que ce bilan peut se faire pour un grand nombre de mesures de politique d'emploi. Il y a beaucoup de mesures de politique d'emploi qui finalement vont avoir tendance à mettre les bénéficiaires de manière plus directe sur des emplois qui vont être des emplois souvent de durée assez courte. Alors pourquoi ? Il y a plusieurs effets possibles. D'abord le fait qu'ici, il y a un effet du secteur. L'emploi associatif est souvent à durée déterminée. Donc les gens qui vont dans le secteur associatif, et c'est le cas ici, il y a beaucoup d'emplois dans le secteur associatif, ont assez souvent plus que la moyenne d'emplois à durée déterminée. Et puis, il y a aussi l'idée que peut-être, finalement, quand on passe par ce type de contrat, on est déjà content de retrouver un emploi, puisque c'est des gens défavorisés au départ. Et donc, finalement, on accepte assez facilement des CDD, on va être moins exigeant, on va avoir moins... dans sa recherche, on va moins privilégier, effectivement, l'accès au CDI. Donc, du coup, aussi, ça peut avoir un effet différent en matière donc, de choix entre CDD et CDI. Enfin, disons qu'on va peut-être moins s'acharner pour trouver un CDI quand on a déjà été sur un contrat aidé qui était à durée déterminée et que finalement on continue sur cette trajectoire. Voilà. En tout cas, c'est important de se poser cette question. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer ce type de mesures. Elles sont tout à fait utiles en termes d'insertion. Mais ça veut dire qu'il faut se poser la question dans l'accompagnement des gens, de savoir du coup vers quoi on les conduit. Et donc, effectivement, du coup, dans leur aide, dans l'aide qu'on peut leur apporter en termes de recherche d'emploi, savoir qu'on a cette fragilité qui va être éventuellement le fait qu'il y a plus de CDD en sortie de mesure. Et plus de CDD, ça va vouloir dire aussi plus de risque de perdre à nouveau son emploi, enfin donc de récurrence du coup au chômage. Voilà, donc ça c'est un premier exemple des difficultés donc, liées aux politiques d'emploi, des relations compliquées entre les politiques d'emploi et la qualité de l'emploi. Vous voyez, les politiques de l'emploi ne favorisent pas forcément la qualité de l'emploi parce que donc on insiste plutôt sur un objectif de retour à l'emploi, quel que soit l'emploi. Alors un deuxième exemple, c'est donc en ce qui concerne les politiques de baisse de charges. Donc ça, c'est des mesures, donc les baisses de charges qui ont commencé à être développées au début des années 90, en 1992-93, et qui existent toujours aujourd'hui. Donc on a aujourd'hui en France ce qu'on appelle les baisses de charges, donc en termes un peu courants, c'est en fait des allègements de cotisations sociales. Vous avez sur ce schéma un petit historique. Un résumé du coup des dispositifs existants donc dans l'histoire. Et pour comprendre le schéma, ce que vous avez donc en bas en abscisse, sur l'axe horizontal, c'est le niveau de salaire exprimé en SMIC. Donc on part du SMIC, on est à 1 SMIC au début, et on va jusqu'à 3,5 SMIC. Donc les exonérations de cotisations, il s'agit ici des cotisations employeurs, donc de ce que payent les employeurs. Donc jusqu'au niveau de 3,5 fois le SMIC en France, aujourd'hui, il existe des politiques de baisse de cotisation pour les employeurs. Ces politiques de baisse de cotisation, elles reposent donc sur un taux d'exonération qui est indiqué en ordonnée. Elles accordent un certain taux d'exonération aux entreprises en fonction du niveau de salaire. Donc vous voyez que si je prends donc, la situation actuelle,
donc qui remonte en fait à 2019. Donc c'est le premier trait qui est en haut à 0,4. Vous avez donc un taux d'exonération de 0,4% qui porte donc au niveau du SMIC. Donc vous avez en fait un taux d'exonération de c'est pas 0,4%, c'est 0,4, donc c'est 40%. Vous avez donc 40% d'exonération des charges au niveau du SMIC. Et ce niveau d'exonération diminue lorsque le salaire augmente. Donc le taux d'exonération est maximum au niveau du SMIC. Et puis ensuite, il diminue. Il diminue, puis il se stabilise. Hein. Vous avez plusieurs phases. Vous avez une phase où c'est décroissant, jusqu'à un petit peu au-dessus de 1,5 SMIC. Ensuite, ça se stabilise. Vous avez une marche qui est donc au niveau de un peu moins de 10% d'exonération. Et ça, c'est jusqu'à 2,5 SMIC. Et puis après, vous avez une dernière tranche d'exonération, jusqu'à 3,5, qui est encore plus bas, qui est pour le coup beaucoup plus faible en termes d'exonération par rapport au salaire. Alors, vous voyez que ça a changé dans le temps. Il y a eu plusieurs phases. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ces mesures ont été réformées successivement. En gros, on est parti d'une petite mesure, ce qui est en gris à gauche, le premier carré, c'est vraiment le tout début. Et au tout début, on était sur une petite mesure vraiment au niveau du SMIC. Et puis petit à petit, on a étendu. Donc de plus en plus d'exonération, les taux d'exonération ont augmenté. Et de plus en plus de niveaux de salaire couverts. Alors pourquoi est-ce que ça pose problème en termes de qualité de l'emploi? C'est parce que ça peut créer ce qu'on appelle une trappe à bas salaire. Donc ça, on en entend parler là un petit peu actuellement dans les médias parce qu'il y a pas mal de débats sur les salaires. Alors qu'est-ce que c'est une trappe à bas salaire? C'est l'idée que les employeurs ont intérêt évidemment à rémunérer les gens le plus près possible du SMIC. Parce que si vous regardez ce graphique, vous voyez bien que si vous voulez avoir l'exonération la plus élevée possible, vous avez intérêt à être proche du SMIC. Donc plus vous êtes au niveau du SMIC et mieux vous êtes en termes de perception d'exonération de charges, donc moins vous allez payer de charges proportionnellement au salaire. Alors bien sûr, les pouvoirs publics ont quand même fait quelque chose qui a une pente, comme vous voyez, qui n'y a pas de seuil. C'est fait pour, en tout cas en bas, il n'y a pas de seuil, c'est assez continu. C'est fait pour essayer d'éviter justement que les employeurs se disent « Ouh là là, je ne vais pas augmenter mon salaire au-dessus de... » Alors en l'occurrence, là par exemple, on pourrait dire ça pour 1,6 SMIC. Si vous êtes au-dessus, hop, vous vous retrouvez à un plateau d'exonération. Donc on a essayé de profiler les choses pour que les employeurs ne puissent pas trop avoir ce type de comportement. Mais malgré tout, aujourd'hui, il reste vrai que pour les employeurs, c'est quand même un plus intéressant d'embaucher des bas salaires que d'embaucher des salaires plus élevés en termes d'exonération de charges. Alors bien sûr, vous n'embauchez pas les mêmes personnes, donc il va de soi que si vous voulez embaucher un cadre, vous n'allez pas lui proposer un salaire au niveau du SMIC. Mais quand vous êtes sur des emplois peu qualifiés, vous avez une incitation quand même à maintenir les gens à des niveaux de salaire relativement faibles. Et ça, c'est ce qu'on appelle la trappe à bas salaire, c'est-à-dire ce risque que, du coup, les personnes connaissent ensuite des carrières salariales assez plates, puisque les employeurs ne sont pas incités à les augmenter, compte tenu du profil des exonérations de cotisations. Alors, il y a beaucoup de débats entre économistes là-dessus. Il y a beaucoup de désaccords hein, sur l'existence réelle d'une trappe à bas salaire, l'impact, est-ce que c'est simplement un tout petit effet ou est-ce que c'est quelque chose qui joue vraiment sur les dynamiques salariales. On a beaucoup de mal à l'évaluer, c'est très compliqué à évaluer parce que on a du mal, toutes les entreprises bénéficient de ce dispositif. Donc comme vous avez vu avant avec l'exemple de la politique de l'emploi du CUI-CAE, quand on veut évaluer, on a besoin de comparer. On a besoin de comparer un groupe qui bénéficient d'un dispositif et un groupe qui n'en bénéficie pas. Là, c'est impossible puisque toutes les entreprises bénéficient du dispositif de baisse de charges. Donc du coup, c'est très compliqué, on doit modéliser, faire des hypothèses, et du coup, ça donne lieu à des débats qui sont des débats très difficiles à trancher sur l'efficacité de ces baisses de charges. En tout cas, le bilan qu'on peut en tirer aujourd'hui, c'est que c'est une mesure qui est vraiment une mesure très installée dans le paysage français. Plus personne ne remet jamais en cause ce type d'exonération. Hein. Je pense qu'il doit y avoir, je ne sais même pas s'il y a un seul candidat à l'élection présidentielle qui remet en cause les exonérations de cotisations sociales. Peut-être côté Parti communiste, mais je ne suis même pas certaine. Je pense que globalement, c'est vraiment quelque chose qui est instauré en France.
qui est peu critiquée parce que c'est là depuis très longtemps et que, disons que ça correspond, enfin, les employeurs, pour le coup, sont évidemment très satisfaits de ce dispositif qui baisse le coût du travail. Maintenant, l'impact réel sur l'emploi, il est difficile à évaluer. Et puis, donc, on a ce risque de trappe à bas salaire. Et donc, qui dit trappe à bas salaire dit effectivement, du coup, une relation négative avec la qualité de l'emploi. Ça veut dire que là, on a un deuxième exemple de cas où la politique de l'emploi, au nom des créations d'emplois, puisque c'est encore ça, hein, c'est au nom effectivement ici de création d'emplois et de création d'emplois plutôt non qualifiés, a tendance en fait à favoriser donc des salaires relativement bas et surtout, c'est ça qui pose problème, hein, des carrières qui vont être assez peu ascendantes. Il va falloir changer de métier, changer d'entreprise, etc., pour avoir du coup une croissance de son salaire quand on démarre au SMIC dans certaines activités. Donc voilà un deuxième exemple du coup des questions qu'on peut se poser et de l'impossible équation, parce que c'était ça la proposition qui était faite pour le titre de la conférence, donc du coup que j'ai essayé ici d'illustrer, donc d'une relation qui est une relation très compliquée du coup entre politique d'emploi et qualité de l'emploi. Alors la France n'est pas, juste pour terminer là-dessus, la France n'est pas le seul pays hein, à avoir développé ce type de logique de baisse du coût du travail au niveau du salaire minimum ou juste au-dessus. Donc l'Allemagne, par exemple, l'a fait aussi avec ces mini-jobs dont je vous parlais tout à l'heure, qui étaient du coup des emplois à faible salaire, faible durée du travail, etc. L'Angleterre l'a fait aussi d'une autre manière, puisqu'il n'y a pas vraiment de cotisation sociale en Angleterre, mais en ayant des emplois qui étaient des emplois effectivement de très courte durée, avec des bas salaires aussi. Là aussi, toujours pour créer des emplois et pour avoir une dynamique de création d'emplois dans l'économie. Alors, c'est juste un point important, hein, ça bouge actuellement. C'est-à-dire que la tendance actuelle, dans la plupart des pays, est plutôt quand même de se poser la question de ces bas salaires, c'est-à-dire plutôt d'essayer de repartir sur une dynamique, de revalorisation, salariale. Notamment donc via alors ça passe dans un certain nombre de pays par le fait d'augmenter le salaire minimum. Donc pour contrecarrer ce type de problème de trappe à bas salaire, une solution évidemment c'est de dire bon, je laisse les exonérations mais par contre je vais pousser le SMIC vers le haut. Et c'est ce que font en fait certains pays actuellement. Donc l'Angleterre, par exemple, hein, a beaucoup augmenté depuis 2015. Le salaire minimum en Angleterre a augmenté de 30%. Donc on a eu une vraie augmentation et continue d'augmenter. En Allemagne, donc la nouvelle coalition qui est arrivée au pouvoir récemment a aussi promis une augmentation du salaire minimum qui devrait augmenter de 10 à 15% là en 2022 et éventuellement 2023. Donc on est quand même sur des dynamiques de hausse qui ne sont pas négligeables. Aux États-Unis, Biden avait annoncé aussi dans son programme une hausse substantielle du salaire minimum, hein, puisqu'il proposait de passer à 15 dollars de l'heure, alors que c'est en dessous de 10 dollars pour l'instant. Bon, pour le moment, il n'a pas réussi à faire passer sa mesure, mais du coup, il faut voir comment ça va évoluer. Mais il y a quand même eu déjà des mesures qui ont été prises dans le secteur public aux États-Unis, par exemple. Pour donc avoir un salaire minimum au-dessus. Donc aujourd'hui, les contractuels du public aux États-Unis, on a un salaire minimum à 11 dollars, alors qu'il était en dessous de 10 dollars aussi avant l'arrivée de Biden. Donc on est plutôt sur une dynamique quand même de revalorisation des bas salaires actuellement dans pas mal de pays. D'où la question qui aussi revient en France actuellement régulièrement dans les débats. Alors, dernier point sur ces questions donc, de relations compliquées entre politique d'emploi et qualité de l'emploi. C'est donc une dernière tendance donc, de politique que je voudrais évoquer. C'est celle qui consiste, qui a été très forte dans les politiques d'emploi des 20 dernières années, à pousser les chômeurs ou les bénéficiaires de minima sociaux comme le RSA à reprendre un emploi et à reprendre n'importe quel emploi. C'est-à-dire que la tendance depuis une vingtaine d'années, est de dire on va inciter les gens financièrement, donc par des mécanismes qui transitent par les allocations qu'ils perçoivent, on va les inciter à accepter un emploi, même si cet emploi est à temps partiel et mal rémunéré, etc. Ça, c'est typiquement la logique du RSA, donc revenu d'activité, au sens où
on va faire en sorte qu'il soit toujours plus intéressant de travailler que de rester bénéficiaire du RSA sans travailler. Alors, en soi, c'est pas forcément une... Enfin, encore une fois, ça peut se comprendre en termes d'objectifs pour des politiques publiques de pousser au retour au travail. La difficulté, c'est que dans certains cas, ça peut conduire effectivement les gens à accepter un peu n'importe quoi. Et donc, accepter un peu n'importe quoi, c'est pas forcément une bonne chose pour eux, parce qu'ensuite, une fois qu'on est parti sur un type d'emploi, on peut avoir du mal à en sortir. Si on est parti sur des temps partiels très courts, dans un secteur donné, etc., on peut avoir du mal à en sortir. Et puis, c'est pas forcément l'idéal non plus pour la collectivité, parce que vous pouvez avoir aussi beaucoup d'emplois qui sont des emplois extrêmement instables. Donc, vous allez avoir des gens qui prennent un emploi, ça dure 3 semaines, et puis après, ça s'arrête, et ça repart. Donc, on a beaucoup de récurrence au chômage, surtout sur des contrats courts. Et ça, c'est aussi quelque chose qui pose problème pour l'UNEDIC, par exemple. Donc, voilà, vous avez cette logique-là. Et on la retrouve aussi, bah, bien sûr, dans le discours sur les chômeurs, hein, qui a été assez présent cette année sur la réforme de l'assurance chômage. La logique de la réforme de l'assurance chômage qui a été faite en 2021, c'est bien justement d'essayer de pousser les chômeurs à reprendre plus vite un emploi. Et on le fait donc en ayant du coup des conditions d'indemnisation un petit peu moins favorables, notamment pour les contrats courts, et puis aussi pour les plus hauts niveaux d'indemnisation, donc qui vont avoir une dégressivité de leurs allocations au cours du temps. L'idée, c'est toujours la même, hein, c'est pousser les gens au retour à l'emploi plus rapide. Et là aussi, les effets sont incertains, c'est-à-dire que, bien sûr, ça peut être considéré comme positif de pousser les gens à reprendre un emploi, mais il y a des risques aussi si on le fait mal, parce que parfois, il vaut mieux attendre pour avoir un emploi un peu plus stable, qui correspond mieux à ses compétences, plutôt que de se précipiter sur le premier emploi venu. Donc tout ça est une question de dosage qui n'est pas forcément très simple. Donc en termes de qualité de l'emploi, là aussi, on peut avoir des effets un peu ambigus de tout ça, de ces politiques de retour à l'emploi et de pression financière au retour à l'emploi. Donc là encore, la France n'est pas originale. Ce sont des politiques qui ont été conduites dans tous les pays, hein, pour effectivement pousser les personnes au chômage ou les personnes en inactivité à reprendre des emplois plus rapidement. Donc voilà. Alors pour conclure, vous aurez compris, hein, le message que je fais passer en réponse donc à la question qui m'était posée, c'est que les politiques de l'emploi, oui, on entretient des relations complexes avec la qualité de l'emploi, qui a clairement des contradictions entre le fait de vouloir augmenter l'emploi et de vouloir augmenter l'emploi sans condition, sans se préoccuper de sa qualité, et puis le fait d'avoir une bonne qualité de l'emploi. Il peut clairement y avoir des contradictions sur un certain nombre de choses. Alors comme je l'ai dit en parlant du classement des pays européens, par exemple, il y a pourtant des pays qui s'en sortent bien, hein, qui arrivent à combiner de manière plus favorable à la fois des créations d'emplois et puis de l'emploi de qualité. C'est notamment les pays nordiques. Alors, ils sont très atypiques, hein, c'est pas transférable en France en tant que tel, puisque c'est des petits pays avec des taux, des politiques d'innovation, de recherche, etc., qui sont très développés, donc qui sont vraiment sur des segments d'emploi qui sont globalement des segments assez favorisés. Donc on n'est pas sur, ils ont une population active qui est très qualifiée dans l'ensemble, plus que la population française, alors pas au niveau des jeunes, mais si on prend l'ensemble de la population. Donc voilà, ils ont toute une série de conditions du point de vue politique. C'est des pays caractérisés par une culture du consensus. On discute, on négocie, les partenaires sociaux sont très constructifs. Donc c'est très différent de ce qu'on peut avoir en France. Malgré tout, c'est intéressant de les regarder, de les garder en tête quand on regarde les politiques d'emploi, parce qu'effectivement, ils ont cette capacité à concilier mieux que ce que peut faire la France, des créations d'emplois et un niveau d'emploi élevé, et puis une réflexion réelle sur la qualité de l'emploi, la qualité des carrières, la qualité de vie au travail. Donc ils arrivent à avoir par exemple aussi des gens qui restent plus longtemps en activité, qui prennent leur retraite plus tardivement, mais avec toute une série de politiques d'accompagnement qui permettent aussi aux gens de faire du temps partiel en fin de carrière, d'avoir des formations, y compris quand on a plus de 50 ans, etc. Voilà, donc il y a des choses, en tout cas, dont on peut s'inspirer, même si on ne peut pas reprendre l'intégralité du modèle, bien sûr.
Donc voilà. Alors, pour terminer ensuite, hein, je dirais que il me semble, moi, puisque ça fait quelques années que je travaille sur ces sujets, que aujourd'hui on est dans une situation qui a changé un petit peu avec la crise Covid, hein, qui a changé dans le sens où il y a aujourd'hui les gens sont, enfin, ce qu'on perçoit, ce que perçoivent tous les DRH, etc., quand on discute avec eux ou les enquêtes sur la satisfaction au travail, etc., c'est que les gens sont devenus plus exigeants en fait sur ce qu'ils attendent de leur travail et sur les conditions de travail et d'emploi qu'ils veulent aujourd'hui, et notamment les jeunes. Hein. Chez les jeunes, il y a aujourd'hui vraiment clairement l'idée qu'ils ne veulent pas d'emploi qui déborde trop sur leur vie privée, ils ne veulent pas d'emploi avec des horaires totalement imprévisibles, comme je l'évoquais, etc. Donc, du coup, bah, la traduction concrète, c'est que les entreprises ont du mal à recruter quand elles ne font pas d'efforts. Et donc, on entend beaucoup parler actuellement de ces questions de difficultés de recrutement, qui font bouger les choses, parce que du coup, les employeurs se retrouvent finalement obligés de négocier des choses qui portent bien sur la qualité de l'emploi. Donc typiquement, voilà, l'hôtellerie-restauration, ils ont été obligés de se mettre autour de la table pour négocier des hausses de salaire, et ils vont travailler sur les conditions de travail, sur la rémunération des horaires de soirée, par exemple, dans le courant de cette année. Voilà, donc il y a des secteurs qui, du coup, bougent un peu sous la pression en fait, de ces difficultés de recrutement et le fait qu'aujourd'hui, il y a un degré d'exigence qui peut être plus important sur un certain nombre de métiers. Voilà, mais il n'empêche que il y aura toujours des gens qui ont besoin de travailler, et donc ça suffit pas. C'est-à-dire que malgré tout, il y a des métiers qui bougeront pas comme ça, quoi, pas de manière spontanée. Hein. Typiquement, quand je parlais des aides à domicile, ben, les aides à domicile, on est sur des métiers qui sont quand même où le pouvoir de négociation est quand même très faible. Et où donc là, on a des gens qui sont souvent dans des situations sociales difficiles, qui vont avoir du mal en fait à du coup discuter avec leur employeur pour modifier leurs conditions de travail ou leur salaire. Donc on a toujours des enjeux du coup importants autour de ces questions de qualité de l'emploi pour certains métiers. Par rapport au schéma que vous avez montré, qui montre les niveaux de satisfaction, il y en a un sur lequel l'Angleterre est très mal placée, et le deuxième, celui où il y a les cartes, où il est au-dessus de la France. Et c'est dû à quoi, cette différence ? Alors, c'est dû au fait, donc, comme je l'ai dit, hein, qu'on n'a pas tout à fait les mêmes indicateurs dans le premier schéma que dans le deuxième. Et dans le deuxième, ce qui positionne mieux l'Angleterre, c'est le fait qu'on a mis des indicateurs de formation et de carrière que j'ai évoqués hein, comme une dimension de la qualité de l'emploi. Et l'Angleterre a plutôt des bonnes performances sur ces aspects-là. Il y a beaucoup de formations en entreprise en Angleterre et avec des effets du coup, positifs sur les progressions de carrière. Donc c'est ça qui fait la différence entre les deux approches. Moi, j'ai l'impression que vous avez traité une partie de ce qu'est l'emploi et le travail en France. J'ai cru comprendre que vous nous parliez que du secteur privé. Or, il y a un secteur public, il y a la fonction publique, la fonction hospitalière, la fonction territoriale. Ces gens-là occupent des postes de travail, en fait. Et vous ne traitez que l'aspect privé. Et quand vous dites que vous travaillez pour les organismes européens, le ministère du Travail, etc., j'ai l'impression que ce ministère-là n'a à s'occuper que des activités du secteur privé et le secteur public là, est absent. Alors que ça génère beaucoup de travail et beaucoup d'emplois en France. Alors, je suis complètement d'accord avec vous. Par contre, dans ce que j'ai présenté là, tout ce qui faisait des comparaisons entre la France et d'autres pays, par exemple, incluait le secteur public. Hein. Donc là, il y a les comparaisons France-autres pays que je vous ai présentées, ça inclut le secteur public. Donc là, il y a l'emploi public. Par contre, quand j'ai parlé de la deuxième ligne, effectivement, là, on est sur le champ salarié du privé. Parce que c'est ça, c'est un travail qui a été fait pour le ministère du Travail. Or, le ministère du Travail en France ne s'occupe que du privé. C'est donc les ministères qui gèrent les différents types de fonctionnaires qui s'occupent de leur propre personnel. C'est-à-dire que si vous voulez regarder l'éducation nationale, il faut aller
travailler avec le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Santé pour les professions médicales, etc. Voilà. Donc du coup, là, comme c'était dans cette mission particulière quelque chose qui était fait pour le ministère du Travail, on s'est limité au secteur privé. Mais, juste pour compléter sur votre question, on a quand même fait le travail avec mes collègues sur cette question-là. On a quand même fait le travail aussi sur l'ensemble des métiers, y compris donc des métiers du secteur public. Donc par exemple, on a aussi des indicateurs que je ne vous ai pas montrés là parce que je voulais me concentrer sur vraiment ce qu'on appelait du coup la deuxième ligne pendant la période du premier confinement, etc. On a aussi des choses sur les enseignants, on a des choses sur d'autres métiers. Donc non, on regarde d'autres choses, mais je ne vous ai pas tout présenté ici, disons. Oui, bonsoir. La question que je me posais, c'est les schémas que vous nous avez présentés. Est-ce qu'ils ont les mêmes caractéristiques quand on se place par rapport à l'âge des travailleurs? Est-ce que ce sont des schémas qui sont différents spécifiquement pour les jeunes aujourd'hui qui n'ont pas les mêmes aspirations, qui ne sont peut-être pas dans les mêmes formats de mise sur l'emploi? Comment ça se passe spécifiquement pour les jeunes aujourd'hui? Ok, alors sur les si on regarde par âge, la situation est plus difficile pour les jeunes de manière générale que pour les gens plus âgés. Alors c'est compliqué toujours à analyser parce qu'il y a deux effets en fait là-dedans. Il y a le fait qu'ils viennent de rentrer sur le marché du travail. Donc quand on est en phase d'insertion, bah, souvent on est plus en CDD, on a des salaires plus faibles, on est plus à temps partiel, etc. Et puis il y a aussi quand même le fait que les conditions d'emploi d'aujourd'hui, des jeunes qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui, sont plus difficiles que celles qu'ont connues les gens qui sont arrivés dans les années 70 ou 80. Donc vous avez ces deux phénomènes, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'âge qui fait que c'est plus compliqué, donc la qualité de l'emploi des jeunes est plus faible globalement, mais normalement ça doit quand même s'améliorer au cours des carrières, c'est ce qu'on espère en tout cas. Mais il y a le fait qu'effectivement, si on compare aujourd'hui les jeunes à leurs parents, bah, c'est sûr que dans l'ensemble, ils vont être plus souvent en CDD, plus souvent à temps partiel, avoir des niveaux de rémunération à qualification égale qui peuvent être parfois plus faibles. Mais voilà, la question, c'est la dynamique de tout ça. Est-ce qu'ensuite, dans leur carrière, les choses ont évolué favorablement? Mais voilà, de manière générale, les jeunes ne sont pas les plus favorisés. Mais comme je l'ai dit, ce qui se passe actuellement, c'est qu'ils ont... on voit bien que, en tout cas, ils ont des exigences ou des attentes un peu différentes aussi. Et ça, c'est quelque chose qui avait commencé avant la crise Covid. Hein. C'est pas que la crise Covid qui a créé ça. On voit bien au fil du temps, depuis une dizaine d'années, on voit évoluer les attentes des jeunes. Et alors, ça ne veut pas dire qu'après, ils ne vont pas accepter. Ils vont quand même accepter. Enfin, ils ont besoin aussi de travailler. Donc, ils vont quand même accepter d'aller travailler dans des métiers qui sont des métiers parfois difficiles. Mais ils vont pas se projeter pour y rester, quoi. Ils vont dire qu'ils veulent changer. Et donc, typiquement, par exemple, l'hôtellerie. Si vous parlez avec des patrons dans l'hôtellerie-restauration, ce qu'ils disent, c'est leur problème aujourd'hui, c'est qu'ils gardent pas les gens. Ils trouvent des jeunes qui veulent bien travailler, mais dès qu'ils peuvent, ils s'en vont. Donc du coup, ils ont beaucoup de mal à stabiliser leur main-d'œuvre, quoi. Est-ce qu'on a analysé que les métiers vont changer dans 10-15 ans avec le digital, la robotisation, l'automatisation, tout ça? Alors oui, en partie. Mais le problème, c'est que c'est difficile de savoir si c'est en bien ou en mal. C'est-à-dire que la robotisation, ça peut améliorer certains problèmes, notamment tout ce qui est conditions de travail difficiles au sens physique du terme. Donc ça peut faciliter les choses. Mais ça peut aussi créer des phénomènes d'intensification du travail. Je vais vous donner un exemple. Hein. C'est typiquement, je pense que vous connaissez tous, c'est ce qui se passe dans les entrepôts, par exemple, actuellement. C'est-à-dire que les travailleurs qui sont dans les entrepôts d'Amazon ou autres, aujourd'hui, ont des conditions de travail plus difficiles que ce qui existait dans la logistique il y a 5 ou 6 ans encore. Parce que du coup, c'est une situation intermédiaire. Ils ne sont pas remplacés par des robots, mais ils travaillent avec des robots qui leur donnent des commandes, en fait. Hein, c'est tous ces systèmes de commandes vocales là, qui optimisent. Voilà, vous avez votre logiciel qui vous dit « allez chercher ci et ça à tel endroit ». Voilà. Et du coup, en fait, pour eux, ça rend leurs conditions de travail particulièrement dures. Donc du coup, voilà, tout ça pour dire que c'est ambivalent, quoi. Enfin, la robotisation, ça peut améliorer les choses, mais ça peut aussi dégrader d'autres aspects, et notamment les problèmes... Ça
ça peut être des problèmes liés à l'intensité. Quoi. Parce que quand on travaille avec une machine, la machine ne s'arrête jamais. Donc il n'y a pas de possibilité de ralentir le rythme, etc. Et ça, ça peut être extrêmement compliqué dans certains cas. Et puis peut-être juste une remarque là-dessus aussi, c'est qu'il y a des métiers dans lesquels il n'y aura jamais vraiment de robotisation possible. Tout ce qui est, par exemple, aide à domicile, typiquement, et qui se développe, hein, puisqu'avec le vieillissement de la population, il y en a de plus en plus. On peut avoir de l'aide pour certaines choses. Enfin, il peut y avoir des robots pour des robots aspirateurs, ou, voilà, ou même ils inventent maintenant dans les maisons de retraite des dispositifs pour soulever les gens, pour faciliter le travail des soignants, etc. Mais ça reste partiel, quoi. Il y a quand même toujours un besoin de contact humain, de présence, etc., qui fait que ces métiers-là ne disparaîtront pas. En fait, les métiers qui risquent de disparaître avec la robotisation, c'est tous ceux qui sont très répétitifs et qui ne demandent pas donc de contact humain, de voilà. Donc c'est plutôt ce type de choses qui risquent de disparaître. Donc c'est par exemple typiquement dans les emplois de niveau intermédiaire, je sais pas, les comptables, il y aura plus beaucoup de comptables dans 10 ou 15 ans, parce que c'est des choses que les ordinateurs font très bien, et plus on va aller vers l'intelligence artificielle et plus la comptabilité ce sera vraiment une formalité. Il restera des experts comptables, voilà, les niveaux les plus élevés, mais vraiment l'aspect courant, c'est quelque chose qui existera de moins en moins. Même certaines fonctions de la finance, qui sont répétitives, par exemple, la finance de marché, il y a des choses qui peuvent disparaître aussi, parce que du coup, ça, les robots le font très bien aussi. Je crois qu'il faut voir encore plus large, parce que moi j'ai lu récemment que les médecins, les avocats, avec l'intelligence artificielle, sont appelés à disparaître. Donc vous aurez toujours du personnel pour l'aide à domicile, mais la plupart des travaux risquent de passer à la trappe. Donc qu'est-ce que les pouvoirs publics envisagent à long terme comme ça? Est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus ou, Alors, il faut toujours être très prudent sur ce type de projection, parce qu'il y a plein de projections catastrophistes sur les effets sur l'emploi, de la robotisation, de l'intelligence artificielle, etc. Mais en même temps... ce qu'on constate ne correspond pas forcément toujours à la réalité. Alors, je vais prendre un exemple, c'est les caissiers et caissières, dont on a prédit la disparition totale déjà depuis une dizaine d'années. Et en fait, il y a toujours des caissiers et des caissières, parce que les clients, finalement, en tout cas, même aux États-Unis, finalement, n'apprécient pas tant que ça les caisses automatiques. Donc, on continue d'avoir des caissiers et caissières, mais dont les fonctions ont changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus être juste à la caisse. Vous allez être à la caisse, mais vous allez être plus polyvalent. Il va falloir faire d'autres choses aussi, installer des produits en rayon, voilà. Donc, les métiers changent, mais ça, ils ne disparaissent pas forcément complètement, quoi. Donc, je pense que c'est la même chose pour les médecins. Je pense que les médecins ne disparaîtront pas. Ce qu'il y a, c'est que la relation avec le patient va sans doute changer. Peut-être qu'ils auront plus le temps d'écouter. Enfin, voilà, ce qu'on reproche aujourd'hui aux médecins, parfois, c'est de prendre les patients à la chaîne et d'aller très vite et d'avoir peu d'échanges. Peut-être qu'il y aura plus d'échanges et plus de pédagogie et un peu moins d'aspects qui sont juste techniques, parce que ça sera pris en charge davantage par des interfaces. Voilà. Donc c'est très difficile de se projeter sur les évolutions de l'emploi. Voilà, ça dépend aussi comment on met en place les innovations. Il y a des manières différentes de le faire et il n'y a pas un seul modèle. Donc... ouais, puis il y a des nouveaux emplois qu'on ne connaît pas encore qui émergeront. Enfin, il y a des spécialités qui sont apparues avec le digital dont personne ne pensait, personne n'imaginait il y a 10 ans, quoi. Tout ce qui est web marketing, etc. Tout ça, c'est des choses nouvelles. Hein, ça n'existait pas. Et bon, donc il y a des potentiels de création d'emplois qu'on ignore encore en fait aussi. Voilà. Donc moi, je serais pas trop pessimiste. Par contre, je pense qu'il faut suivre les évolutions et il faut absolument, surtout, former les gens. Enfin, il faut éviter, parce que le risque avec tout ça, c'est le décrochage, quoi. C'est qu'il y ait des gens qui ne soient pas assez formés, pas à la page. Et alors là, c'est fini. Si vous avez décroché sur des compétences de base sur le digital et que le monde est complètement digitalisé, bah, vous êtes perdu. Donc, on en a des gens comme ça déjà actuellement qui sont pas capables de se servir d'un ordinateur. Enfin, il y a à peu près 10% de gens en France qui ne sont pas capables de se servir des compétences digitales de base, quoi. Donc, c'est-à-dire aller sur Internet, chercher de l'information, se servir juste d'un programme basique. Voilà, et tous ces gens-là, en fait, ça leur pose énormément de problèmes en termes d'accès à l'emploi, même pour des emplois peu qualifiés. Puisqu'aujourd'hui, on vous demandera toujours
de faire des choses sur une application. Voilà. Donc, ces aspects de formation, pour moi, sont très importants, de vraiment agile dans le fait de suivre ce qui se passe et de former les gens pour qu'ils ne restent pas derrière. Quoi. Oui, j'avais une question. Est-ce qu'il y a beaucoup d'études qui sont menées sur les projets de réduction du temps de travail? Parce que ça apparaît régulièrement dans certains débats politiques. Je voulais savoir s'il y avait des études concrètes là-dessus, avec des projections sérieuses et non pas seulement utopiques. Alors, la première chose, c'est de se dire qu'effectivement, la tendance historique, c'est une tendance à la baisse du temps de travail. Si on regarde sur longue période, la baisse, elle est continue. Elle a été très forte au début du XXe siècle. Elle s'est un peu ralentie, mais globalement, voilà, la durée du travail baisse. Et c'est normal qu'elle baisse, puisque effectivement, on produit de manière de plus en plus efficace quand même, grâce justement à tout ce qui est innovation. Donc on peut se dire qu'aujourd'hui, avec la tendance au développement de nouvelles technologies, y compris robotisation, etc., puisqu'on va produire plus efficacement, on aura besoin de moins travailler, c'est la logique. Donc ça va dans le sens de l'histoire quand même, ça c'est sûr. Après, la question, c'est est-ce qu'on laisse faire? C'est-à-dire, est-ce qu'on se dit, finalement, de toute façon, de fait, les entreprises vont avoir besoin de moins d'heures travaillées. Donc, ça va se réduire tout seul, entre guillemets, l'échange, la négociation entre les salariés et les entreprises. Ou est-ce qu'on essaye de pousser quelque chose qui soit plus collectif? Voilà, c'est ça, en fait, le débat, quoi. Bon, actuellement, il n'y a pas vraiment... Enfin, la tendance... c'est aussi lié à la crise Covid, en partie. C'est-à-dire qu'on a été tellement dans l'idée de protéger l'emploi, au sens protéger, du coup, y compris l'emploi dans sa durée, quoi. Les gens qui étaient à temps plein, on a essayé de les maintenir à temps plein. Donc on est vraiment resté sur quelque chose de très protecteur par rapport à ça. Ça a un peu coupé, du coup, toutes ces réflexions sur la possible baisse de la durée du travail. Mais c'est vrai qu'il y a, c'était reparti. Enfin, il y a des réflexions qui sont reparties là-dessus. Par exemple, en Allemagne, il y a de nouveau pas mal de réflexions sur ces questions, sachant que l'Allemagne était le pays qui était allé le plus loin, puisqu'il y a eu quand même des accords à 32 heures dans un certain nombre d'entreprises, mais il y a déjà une quinzaine d'années, sur lesquelles ensuite elles étaient revenues, parce que le problème, c'est qu'en Allemagne, comme ils ont une structure démographique où ils ont quand même une population active qui baisse, ils n'ont pas beaucoup d'enfants. Du coup, ils ont des besoins de recrutement qui font qu'ils ont dit, non, 32 heures, on ne peut pas, parce que du coup, on a besoin que les gens travaillent plus. Donc, du coup, ils sont revenus en arrière. Et là, de nouveau, quand même, ça revient un peu, les débats en Allemagne sur les questions de 32 heures. Voilà. Donc, je pense que ça sera, on n'aura pas de politique comme ce qu'on a eu en France à un moment donné, de dire tout le monde passe à 32 heures, par exemple. Mais par contre, qu'il puisse y avoir des accords, soit dans certaines branches, soit dans certaines entreprises, où on négocie des choses sur des accords éventuellement de 4 jours par semaine, etc., je pense que ce n'est pas utopique dans un futur assez proche, quoi. Ça fait partie des choses qui sont tout à fait envisageables. Mais plus à un échelon comme ça, quand même un peu local, d'une entreprise, voire même d'une branche, pourquoi pas. Mais pas forcément au niveau national, quoi. Ça, j'y crois pas trop. Puis ça va dans le sens des aspirations des jeunes que j'évoquais, qui veulent moins travailler de toute façon. Et qui sont prêts, pour le coup, même quand on les interroge, à avoir un niveau de salaire un peu plus faible, mais à travailler moins, quoi.